à Toutes et à tous, je suis Gabriel mermet bouvier passionné de post-traitement, ancien président du clavier et actuellement j'anime des ateliers post-traitement au club de Saint-Didier-Mondeur, la vie en couleur. J'entame une série de tutoriels sur le module de développement de Lightroom. Donc on va voir à travers différents exemples comment développer ces photos. Par type, là je vais commencer par une photo de paysage et nous verrons donc au fur et à mesure les différentes fonctionnalités du module de post-traitement, donc de développement de Lightroom. Donc pour cette photo, dans un premier temps, je vais ouvrir l'onglet que j'ai mis en tête. De tous mes onglets qui concernent le module de développement, ça concerne les corrections de l'objectif. Je le fais souvent en premier parce que ça va souvent recadrer ma photo en fonction de l'objectif utilisé et puis ça va aussi enlever le vignotage dû à l'objectif et souvent modifier la, les lumières de ma photo. Donc euh, je préfère le faire avant. Donc, d'abord, je supprime les aberrations chromatiques. Bon, je le fais systématiquement. Je ne suis pas certain qu'il y en ait sur cette photo. C'est une photo qui n'a pas été prise au grand angle. Mais bon, il vaut mieux le cocher systématiquement, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, j'active les... le profil de correction. Et vous voyez que là, regardez avant et après. Ça recadre légèrement ma photo parce que ça va supprimer l'effet de, de bombement de ma photo qui est dû aux déformations liées à l'objectif. Sachez que même les très bonnes optiques ont une légère déformation. Donc là, il reconnaît automatiquement mon boîtier et reconnaît également automatiquement mon objectif. Et en fonction de ce couple boîtier-objectif, il est capable de faire automatiquement les corrections nécessaires. Si ça ne marche pas, si Lightroom ne reconnaît pas votre objectif, il va falloir donc faire manuellement, et c'est possible, cette correction de distorsion et de vignettage à l'aide de ces deux curseurs. Mais également, vous pouvez aussi trouver une optique qui soit proche de la vôtre, de façon à laisser faire Lightroom. Et puis vous avez un bon manuel hein, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la, la correction de la distorsion et la correction des franges dues aux aberrations chromatiques. Voilà, je n'insiste pas plus sur ces réglages. Sachez que dans 90% des cas, voire même plus, Lightroom reconnaît votre matériel. Donc, ceci étant fait, là je referme cet onglet pour ne pas semer la confusion. Je vais redresser mon image, bon, bien qu'elle ne soit pas vraiment déformée, mais dès qu'il y a un petit peu d'architecture, on peut avoir des déformations. Là, je vais faire un upright, donc un redressement en français automatique. Il faut toujours tenter ce redressement euh, en premier, en premier lieu, parce que bien souvent, ça marche très bien. Vous voyez, il a légèrement redressé ma photo. La... Le clocher de la chapelle était un petit peu penché. Bon. Ça ne gênait pas plus que ça. Mais voilà, donc, c'était pour vous montrer ce réglage. Il faut essayer tous les paramètres de réglage automatique. Il y en a plusieurs. Et si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez faire la correction manuellement en contraignant le recadrage également. Au niveau du recadrage, puisqu'on en parle, euh, là je ne vais rien faire du tout, parce que ça me paraît correctement cadré. Vous voyez le bateau, alors je vais appeler l'outil de recadrage pour vous les... montrer les points forts. Le bateau se retrouve dans un point fort de la photo ici ainsi que le clocher de la chapelle. Ce sont vraiment les deux sujets qui m'importaient dans cette photo. Donc là j'ai rien à faire, hein, c'est correctement cadré. Je vous assure ça peut exister. Donc là je vais abandonner l'outil de recadrage, je le ferme. Et puis je vais passer au réglage de base. Dans ces réglages de base, je vais faire ma euh, méthode habituelle sur un paysage et la méthode que je vais vous indiquer, sachez qu'elle va fonctionner dans 90% des cas de vos photos de paysage. Premièrement, je vais éclaircir les ombres pour aller chercher tous les, défauts, tous, tous les détails qui sont dans les ombres, qui sont cachés euh, par le développement par défaut, qui est Imposé à mon fichier RAW, donc je vais éclaircir complètement les ombres. Et vous voyez, toutes les ombres ici s'éclaircissent et je vois apparaître des détails sans excès. Et là, j'y suis allé à fond. Pour les hautes lumières, donc les, les parties claires de la photo, je fais faire la même chose, regardez ce qui se passe dans le ciel. Pas la même chose, je vais les assombrir, donc je fais le contraire pour aller rechercher tous les détails et vous voyez que mon ciel apparaît beaucoup plus détaillé. Donc ça ça déséquilibre un petit peu le contraste de, de mon image. Qu'à cela ne tienne, je vais faire immédiatement le point blanc et le point noir. Pour faire le point blanc, j'appuie sur Alt, je touche, je maintiens la touche Alt enfoncée. Et je vais du côté, je vais pousser le curseur du côté des parties claires. Dès que je vois apparaître un point blanc, ça veut dire que le niveau de blanc est correct. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'était déjà correct. Je fais pareil pour les noirs, mais je pousse le curseur dans l'autre sens. Là, j'ai un écran blanc. Je maintiens Alt enfoncé. Et dès que je vois apparaître. Quelque chose en fait, des points sur l'écran, je relâche. Là, je vais y aller un petit peu plus fort parce que j'aime bien les images qui ont un petit peu de pêche. Et vous voyez que mon image, par rapport au réglage initial, donc un réglage par défaut de mon fichier RAW, devient une image beaucoup plus agréable. Alors, regardez, on va regarder avant et après. Voilà l'image avant et l'image après correction. Vous voyez que ça a déjà pris une autre allure. Hein. Le ciel est beaucoup plus détaillé. On voit apparaître du détail dans les ombres. Et l'équilibre du contraste entre le point blanc et le point noir est bien meilleur. Ceci en quelques réglages. Je poursuis les réglages de base. Donc je reviens en plein écran. Là je vais pousser un petit peu la clarté. Alors la clarté, ce sont, c'est le micro contraste. En fait, c'est le contraste des détails, c'est le, contra le contraste des pixels adjacents. Je vais le pousser un peu, ça se fait à la vue, ça, mais pas trop, pour donner un peu de clarté à mon image. Elle devient plus nette, plus claire. Il ne faut pas trop en faire, sinon, bah, regardez, je vous montre. Sinon, votre image va devenir une image, hein, ça devient pictural et puis pas très beau en fait. Hein. Donc je vais revenir vers des valeurs un petit peu décentes, voilà comme ceci. Je vais ajouter un petit peu de vibrance. Alors la vibrance c'est la saturation. Donc il y a deux façons de faire de la saturation dans Lightroom. Euh, l'onglet, enfin le curseur saturation qui est la saturation historique alors vous voyez je vais le pousser à fond elle est très violente et le, elle n'est pas, pas belle, hein. ça pousse beaucoup trop la saturation, par contre si j'y vais avec la vibrance, vous voyez que c'est beaucoup plus doux parce qu'en fait c'est une saturation intelligente qui va saturer les zones non saturées et ne plus saturer les zones qui sont déjà saturées voilà, donc là, j'en fais pas trop trop non plus. Juste fait suffisamment pour donner un peu plus d'éclat aux couleurs. Et pour les réglages de base, là, j'ai quasiment terminé. Et vous voyez qu'en quelques clics, alors je, non, je vais peut-être pousser un petit peu le contraste, mais légèrement, renforcer un peu. Voilà, mais pas trop. C'est très sensible. Sur la température des couleurs, euh, donc la balance des blancs, j'ai rien à faire, hein, c'est correct. Et sur l'exposition non plus. On n'est pas obligé de toucher chacun des réglages, bien évidemment. On verra sur d'autres photos qu'on est obligé de toucher plus de réglages. Et puis on va détailler, au fur et à mesure des exemples, l'impact de ces différents réglages sur ma photo. Voilà, donc là je referme l'onglet des réglages de base. Alors ensuite nous avons la courbe des tonalités. Ça c'est pour les fanas de courbes, dont je ne suis pas, mais vous le savez certainement si vous suivez mes tutos. Ça va faire la même chose que les curseurs de réglages de base, mais à travers une courbe. Ce qui m'intéresse là, c'est de donner un peu plus de netteté à ma photo, bien qu'elle en ait déjà. Et ça, je vais le faire à travers l'onglet détail qui permet donc cet onglet de régler la netteté et la réduction du bruit. On verra que ces deux réglages sont intimement liés, l'un des réglages agissant sur l'autre et réciproquement. Là, je vais m'occuper de la netteté. Alors, pour faire la netteté d'une photo, première chose, il faut être à 100% de la photo. Pour ce faire, dans Lightroom, vous voyez que j'ai une petite loupe au bout de, du pointeur de ma souris. Il suffit que je clique sur un, une zone de la photo pour que je la voie à 100%. Là, je peux me déplacer dans ma photo à travers la main. Là, pour faire la netteté, je vais prendre un petit peu d'architecture, un petit peu de nature et du ciel. Donc, là, je suis sur une zone parfaite. Je ne me sers jamais de cette petite fenêtre-là qui n'est pas très pratique. J'aime bien voir les choses en grand sur la fenêtre principale de Lightroom. Donc la netteté par défaut, Lightroom la met à 25. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, là, je vais la pousser plus. Hein. On va voir qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc c'est un réglage global hein, sur la totalité de l'image. Donc je pousse un petit peu et je regarde ce qui se passe. Et vous voyez que déjà, elle devient plus nette. Sur les pierres d'architecture, sur la nature. Je ne vais peut-être pas y aller trop fort. Pourquoi Parce que si j'y vais trop fort, regardez ce qui se passe je fais monter du bruit, vous voyez dans le ciel, sur ma photo. Donc, la netteté, c'est un équilibrage entre la réduction du bruit et ce curseur netteté. Alors, on va préciser les choses des autres fonctionnalité de la netteté, là je vais rester dans des valeurs raisonnables. Voilà, là c'est bon, ça suffira, vous voyez c'est net. Euh, voilà, vous avez le rayon, qui, qui par défaut est à 1, et vous avez le détail. Si vous voulez savoir quelle est l'importance de ce réglage rayon, il suffit de passer votre image en noir et blanc, donc en appuyant sur Alt, et si je pousse le curseur rayon, et je vois précisément les contours de, mon, de ma photo et sur ces contours si je pousse le rayon je vais agrandir la zone d'analyse de ma netteté alors vous voyez si, alors si on regarde bien euh, sur les contours de l'église là on voit qu'il y a un trait noir et un trait blanc c'est ce que fait le réglage de lightroom il va tracer un trait noir et un trait blanc sur les contours qu'il a détectés pour les marquer pour les accentuer donc le réglage d'honnêteté n'est qu'une accentuation des contours en fait mais ça fonctionne très bien donc si j'agis sur ce rayon je vais élargir la zone d'analyse de lightroom pour afin qu'il calcule les, concours, les contours afin qu'il les détecte. Voilà, ben là, ce pas trop la peine, je vais le laisser à 1. Le détail, ça va agir. Alors, toujours pareil, je maintiens Alt enfoncé sur le, 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 la micro-netteté. Vous voyez qu'elle monte très nettement. Mais ben là, c'est pareil, hein. je vais faire monter du bruit si j'y vais trop fort. En général, je ne les touche pas trop c'est deux réglages, rayon et détail. Sauf si vraiment j'arrive pas à faire la netteté. Voilà, on va en, en rester là. Le masquage, on le verra plus tard sur un autre exemple. Et la réduction du bruit, là, il n'y en a pas trop. Je vais le faire un peu pour la forme. Je vais réduire le bruit de luminance un tout petit peu, vous voyez, dans le ciel. Vraiment pour la forme, hein. euh, il n'y en avait quasiment pas. Et en plus, si je. Mais l'image en plein écran, ça ne se voyait pas du tout. Voilà, donc j'ai une image déjà beaucoup plus nette, bien qu'elle était déjà bien nette au départ, mais j'ai renforcé la netteté. Alors, sur la réduction du bruit, on peut réduire le bruit de luminance. Alors, le bruit de luminance, ce sont des pixels aberrants grisâtres. Euh, là, je ne peux pas bien vous le montrer sur cette photo. On le verra sur d'autres exemples. Ou bien le bruit de chrominance, il y en a. Ce sont des pixels aberrants, vert, rouge, violet, qu'on voit apparaître donc sur, sur la photo. Il suffit de pousser ce curseur pour réduire ce bruit de, de chrominance. On le verra sur d'autres exemples plus, plus en détail. Ici, ce n'est pas pertinent. Donc là, j'ai réduit la, le, le bruit. Sachant qu'il n'y en avait quasiment pas, et j'ai amélioré la netteté de ma photo. Je ferme cet onglet à détails. Ensuite, dans la vidéo suivante, nous terminerons le développement de cette photo en voyant l'onglet effet qui va me permettre de faire un vignettage de mon image. Et on va appliquer un outil, même deux outils de retouche locale. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de ce développement. Merci de m'avoir suivi.